Niemand weet exact hoeveel mensen op de vlucht zijn voor het geweld in het Midden-Oosten. Maar het zijn er honderdduizenden. De verhalen over extreem geweld, onthoofdingen, executies, verkrachtingen zijn hallucinant. Op de markt van Mosul kan je een vrouw kopen voor $150. Vooral christenen hebben te lijden onder de vredeterreur van de Islamitische Staat. En daarover kwam vrijer Amir Jaji getuigen. Een van de laatste christenen in Bagdad. Voor de VN in Geneve gaf hij een toespraak over de dramatische situatie van de christenen in Irak. Amir Jaji woont dan ook in Bagdad. Hij is provinciaal vicaris van de Dominicanen voor de Arabische wereld en wij konden hem spreken net voor zijn afreis naar Bagdad. Frère Amir Jaji, soyez le bienvenu à Bruxelles. Demain, vous partirez pour Bagdad. Oui. Chaque jour, il y a des attentats à la bombe, il y a des atrocités. Alors, pourquoi y retourner? Pourquoi je retourne? Je retourne parce que j'ai une mission à accomplir là-bas. J'ai donné ma vie comme prêtre, comme religieux, pour servir dans ce pays. Oui, mais c'est bien difficile parce que vous avez déjà échappé au massacre du 31 octobre 2010, je crois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, à l'époque, en fait, c'est vrai, je devais moi-même présider ou célébrer la messe à la cathédrale Notre-Dame Perpétuel Secours parce que les deux prêtres qui ont été donc tués m'ont demandé de célébrer à leur place et à la dernière moment, parce que j'étais un peu fatigué, donc ils ont reporté ça, leur voyage, vers une semaine et m'avaient demandé. Donc, et c'est ça ce qui, pour moi, c'était vraiment un moment très très dur dans ma vie personnelle, dans ma vie spirituelle. C'était un moment vraiment très dur parce que ce jour-là, quand j'ai vu, je suis allé directement après ce massacre, cet attentat, cette sauvagerie qu'on a utilisée dans cette église. Avec qu'on a fait? En fait, donc, il y avait quelques terroristes, quelques islamistes qui sont entrés en l'église, dans l'église, pendant la célébration de messe, et ils ont commencé à tiré sur les gens, ils ont tué les prêtres, deux prêtres, et ensuite ils ont tiré sur les gens, ils ont pris en otage une centaine de personnes. Donc il y avait 50 personnes qui ont été donc tuées, et dont deux prêtres. Donc le lendemain, quand je suis venu et j'ai vu vraiment dans l'église, dans cette église, tout ça, tout ce que j'ai vu. Et à ce moment-là, j'ai dit, on n'a plus de place ici en Irak, on doit partir. Donc, ce que je disais avec moi-même. Qu'est-ce que vous avez vu dans l'église? J'ai vu vraiment, malheureusement, des morceaux des gens. C'était horrible de voir de sang partout. Des morceaux de cadavres, c'était vraiment horrible. Le plus dur dans la vie, c'est de perdre son espoir. Quand on perd l'espoir, on perd tout. Et ce jour-là, moi je me souviens, j'étais vraiment complètement désespéré. Et je pense que c'était un appel de Dieu, parce qu'il y avait une initiative de France pour aider, pour soigner tous ces blessés qui ont été victimes de cet attentat-là. Et c'est la France qui m'a appelé pour me demander si je peux faire quelque chose pour aller visiter les blessés et puis noter leurs blessures, noter sur un papier et ensuite transmettre ça au Quai d'Orsay, donc au ministère des Affaires étrangères, pour préparer un avion spécial médicalisé pour envoyer. Et c'est ça ce qui m'a un peu remonté. Après, j'ai oublié
ma souffrance et j'ai commencé à vivre vraiment ce moment-là. Et donc, moi je dis toujours, c'est le Seigneur nous choisit pour une mission. Alors, quelle est la situation des chrétiens en Irak aujourd'hui? Malheureusement, je peux dire que la situation actuelle en Irak, c'est une situation catastrophique. Aujourd'hui, on craint des catastrophes humanitaires aujourd'hui, parce que les chrétiens sont depuis déjà plus de 12 mois déplacés de chez eux. L'État islamique ou les Daesh, ils sont entrés, ils ont pris la ville de Mossoul. Et après ça, donc, il y avait un premier exode des chrétiens qui sont quittés, qui sont partis, quitter de Mossoul vers le nord. Et après quelques jours, en fait, l'État islamique a dit, a en fait trompé les chrétiens. Il leur a dit, venez, revenez, nous, on va, notre problème, ce n'est pas avec vous, notre problème, c'est seulement avec les chiites, etc. Donc, il y a certains chrétiens qui sont revenus à Mossoul. Une semaine après, il y avait une décision de l'État islamique ou du califat pour dire que les chrétiens doivent soit payer ce qu'on appelle un impôt, payer soit doivent quitter, soit la mort. Donc à ce moment-là, beaucoup de chrétiens ils ont préféré de quitter carrément, complètement Mossoul. Mais la surprise, c'était qu'il y avait des checkpoints qui ont, confisqué, ont pris tout ce que les chrétiens avaient, c'est-à-dire leur argent, leur or, et même les pièces d'identité, ils ont été confisqués. Donc ils sont partis, même à pied, donc leur voiture, tout ça. Donc les gens, ils ont fait des kilomètres pour sauver leur vie, mais sans rien. Ils n'avaient rien de tout. Et à ce moment-là, les Kurdes, ils ont dit que nous allons protéger. Mais malheureusement, je peux le dire, que malheureusement, les Kurdes, ils ont trahi la population chrétienne et yézidi, parce qu'ils ils n'ont pas défendu ni les chrétiens, ni les yézidis. Donc ils ont laissé, ils sont retirés juste avant l'arrivée de Daesh, et comme ça, Daesh, ils sont entrés, ils ont fait des catastrophes, ils ont fait des crimes. Par exemple, avec la communauté yézidi, ils ont tué plus de 500 hommes devant leurs femmes, leur famille, et après, ils ont enlevé ou pris otage à peu près 400 femmes. Ils ont pris otage. Et après, ils ont vendu les femmes au marché de Mossoul à 150 dollars la femme. Une femme à 150 dollars. C'est quelque chose qu'on n'a jamais dans l'histoire. Comment on peut imaginer quelque chose comme ça au 21e siècle? Aujourd'hui, la situation des chrétiens en Irak, surtout au nord, donc il y a à peu près 120 000 chrétiens aujourd'hui à Erbil et Ankawa. C'est une ville, Ankawa, une ville chrétienne, normalement qui a une capacité de 20 000, à peu près 20 000 habitants. Aujourd'hui, il y a 120 000 en plus de 20 000. Donc ça fait 140 000, 150 000 personnes qui sont entassées dans cette ville-là. Donc aujourd'hui, à Ankawa, donc j'étais il y a 3 semaines, les gens ils sont entassés là, les uns sur les autres. On voit, par exemple, il y a à peu près 20 000 personnes qui sont sous la tente, dans les tentes. Il y a à peu près 20 25 000 dans les écoles, et maintenant, ces jours-là, ils doivent quitter. Il y a aussi
une dizaine de milliers dans les rues, Donc, et dans une... les jardins, Oui. dans les salles des églises, etc. Donc il y a une situation catastrophique, parce que tous ces gens-là, ils sont partis, ils ont quitté chez eux sans rien. Donc du coup, aujourd'hui, ils n'ont pas ni à manger, ni à boire, ni à rien. Vous avez fait un discours aux Nations Unies à Genève et au Parlement européen à Strasbourg pour parler de la situation catastrophique des chrétiens en Irak. Quelle était la réaction? Déjà, moi, je voulais faire entendre la vraie situation, et c'est pour cela que j'étais très ému de parler devant l'Assemblée plénière à Genève pour exprimer la souffrance de mon peuple. Et j'ai dit clairement, j'ai dit que il y a comment on peut accepter dans le 21e siècle des femmes soient vendues au marché de Mossoul par l'État islamique, par le Daesh, une femme vendue à 150 dollars. Comment on peut accepter? Donc j'étais très ému de montrer comment la situation aujourd'hui, actuelle, et quelle catastrophe humanitaire que nous vivons, et que la communauté internationale doit faire son travail, doit agir, parce que si aujourd'hui l'Irak arrive à cette situation-là, c'est les conséquences de mal agi de le pays occidental, parce que on a fait la guerre en Irak pour faire tomber Saddam Hussein, mais on n'a pas mesuré quelle catastrophe on va avoir. Aujourd'hui, on laisse le pays en chaos. Les Américains amener cette guerre en Irak, mais après, ils sont partis. Et aujourd'hui, le pays est en chaos. S'il y avait à l'époque un Bin Laden, à l'époque de la guerre du Golfe, aujourd'hui, on a des milliers et des milliers de Bin Laden. Vous dites Pourquoi? que la guerre de Gaulle va provoquer le terrorisme. Exactement, exactement. Parce qu'aujourd'hui, ça a provoqué beaucoup de pauvreté, beaucoup de déstabilisation des pays. Et donc, du coup, il y a plus d'ignorance et plus de possibilités de fabriquer des kamikazes et fabriquer des djihadistes. Tandis que si on avait combattu autrement le terrorisme, ça veut dire en combattant par la science, c'est-à-dire pour apprendre, faire apprendre, pour comment dire, élever le niveau de ces gens-là, on n'aurait pas autant de catastrophes qu'on a Oui. aujourd'hui. Donc on a, si, c'est pour cela moi je dis que le monde occidental, il a une part importante de la responsabilité. Parce que si aujourd'hui on arrive à ce stade-là, c'est à cause de. Parce que on a pensé comme quoi, avec la force, on peut faire tout. Les Américains, ils pensent avec leur force militaire, ils vont pouvoir faire tout. Mais non. Est-ce que vous ne vous sentez pas délaissé, oublié par la communauté chrétienne de l'Occident? Nous sentons aujourd'hui que nous sommes abandonnés, oubliés par la communauté internationale en général. Je ne parle pas de la communauté chrétienne, mais je parle parce que il y a un devoir humain avant d'être devoir chrétien, etc. Ce que je disais à Paris, dans la conférence de presse, je disais que c'était fin août, en fait, parce que chaque fois que j'allais parler avec un responsable politique, etc., il disait après les vacances. Comme quoi, les vacances, c'est plus important que les êtres humains qui sont en train de mourir. Je dis, mais si on attend jusqu'à la fin des vacances, jusqu'à juillet, août, et on va avoir des milliers de victimes, des vies humaines qui. En fait, je suis déçu avec la couche sociale, pardon, couche politique, c'est-à-dire les hommes politiques qui sont vraiment. Ils ont leur stratégie, leur intérêt économique, etc. Et donc, ils font leur politique en fonction de ces intérêts
économiques, des intérêts stratégiques, etc. Et il oublie que l'homme politique, il est au service de l'homme, de la vie humaine, et non pas de l'argent de ce pays-là. C'est l'homme qui est touché. Donc aujourd'hui, on a une vraie gâchis humaine, que ce soit en Irak ou au Moyen-Orient, des hommes et des femmes et des enfants qui meurent à cause de ces problèmes, des intérêts politiques et des intérêts économiques, etc. Et c'est ça, moi, j'attendais que les hommes politiques européens soient plus humains. Vous êtes aussi déçu par vos amis musulmans parce qu'ils ne condamnent pas plus ferme les atrocités. Oui, je suis déçu de la réaction très timide des responsables religieux musulmans. Parce que nous attendons, comme communauté chrétienne, ou aussi communauté yézidi, etc., nous attendons de nos frères et sœurs musulmans, déjà en Irak, d'avoir une réaction plus ferme, plus solidaire avec leurs frères et sœurs de pays. Et deuxième chose, moi je suis déçu de des responsables religieux au niveau mondial, parce qu'aujourd'hui, Daesh, le danger de Daesh, le danger de l'État islamique djihadiste, n'est pas seulement limité pour les chrétiens ou les petites minorités. Il est, première chose, il menace l'islam, parce que si l'image ou le vrai image de l'islam, c'est ça, c'est-à-dire, est-ce que c'est, quand on dit l'État islamique, est-ce que l'État islamique, est-ce qu'on reconnaît que ces gens-là, ce que fait, ce que leur attitude, leur mode de vie, est-ce que c'est l'islam, le vrai islam, ou non? Donc moi j'attendais que les musulmans défendent l'islam de ce phénomène violent, comme ils ont défendu, comme ils ont, quand il y avait les caricatures. En Europe, ici, et de l'image de leur prophète, il y avait vraiment beaucoup de contestations, ils ont fait beaucoup de bruit, ils ont fait beaucoup de violence. Pourquoi ils ne font pas la même chose? Parce que qui déforme l'image de l'islam? C'est en faisant le caractère, caricature, Caricature. ou en faisant La guerre. les telles Atrocité. atrocités. Est-ce que votre image de Dieu a changé? L'image de Dieu, moi je pense que ça n'a pas changé, mais le problème c'est que je vois, je suis étonné comment l'homme il peut déformer l'image de Dieu, comment on peut, au nom de Dieu, tuer, égorger un être humain. En disant comme quoi il fait la volonté de Dieu, et on voit malheureusement, avec beaucoup d'ignorance, il y a beaucoup de musulmans qui ignorent le Coran, qui ignorent l'islam. Vous êtes islamologue, vous avez étudié le Coran, alors, en arabe. Bien sûr. Alors, il y a aussi des passages avec la violence. Oui, c'est vrai. C'est vrai, dans le Coran, si on lit le Coran, on voit les choses et ses contraires, son contraire. C'est-à-dire, il y a des versets coraniques qui insistent, beaucoup de versets coraniques qui insistent à la paix, à la cohabitation avec les autres religions, etc. Mais il y a, au même temps, il y a quelques autres versets qui insistent à qui sont nés dans un contexte particulier, et qui insiste à la violence contre telle ou telle communauté. Ce qui fait aujourd'hui, c'est que les terroristes ou les islamistes intégristes, ils prennent les quelques versets sans leur contexte naturel pour défendre leur
idéologie. Il y a un livre intitulé « Le management du cruauté » d'un djihadiste connu. Et ce livre avance l'idée que l'extrême violence est nécessaire pour fonder le califat. Malheureusement, c'est le système nazi, c'est le système, tous les systèmes totalitaires que pour régner, pour dominer, il faut avoir semé la violence pour régner, en fait. Et malheureusement, aujourd'hui, l'État islamique, Daesh, il utilise les mêmes méthodes, exactement les mêmes méthodes. Que les nazis. Que les nazis, exactement. C'est-à-dire terroriser les gens pour se montrer. Et ici, moi, je pense qu'il y a un problème d'identité. Parce qu'aujourd'hui, l'islam, pour moi, comme islamologue, je peux dire qu'aujourd'hui, l'islam vit une crise identitaire. Et toute cette violence-là, etc., c'est à cause de ce problème d'identité. Parce qu'aujourd'hui, dans l'islam, devant l'islam, il y a deux choix, pas plus. Soit de rester enfermé, et s'il y a un risque de pourrir de l'intérieur et donc de tomber, soit de s'ouvrir et de faire une démarche de autocritique. Ce qu'on a fait en Europe, c'est pas nous, c'est pas le monde occidental qui puisse faire le changement, et c'est pas nous mêmes les chrétiens d'Orient qu'on puisse faire le changement dans l'islam. C'est l'islam, les musulmans eux-mêmes de l'intérieur. Ça veut dire qu'on doit aider ces hommes et femmes modérés pour faire leur changement, pour faire changement et sauver l'islam. C'est le seul choix. C'est le seul choix. On n'a pas d'autre choix. Mm-hmm. Et c'est pour cela, moi, je dis que, comme dominicain, on a le projet de l'Open University, un projet qu'on a fondé comme dominicain il y a quelques années, l'Académie de Bagdad pour les sciences humaines, pour enseigner les musulmans. Donc cette académie, on a la majorité de nos étudiants, c'est des musulmans, et qui viennent pour apprendre, pour défendre l'homme. Et c'est ça la méthode qu'il faut utiliser pour pouvoir vraiment avancer et sauver l'Irak. C'est pas en envoyant des militaires ou des chars et des avions, c'est une école, c'est une université. Oui. Une académie qui vraiment essaye de participer à la reconstruction des valeurs humaines. Et la situation vraiment est très sombre, mais je dis que malgré tout, il y a toujours cette semence d'espérance contre le désespoir. Et cette semence, elle va grandir. C'est vrai, nos maisons sont pillées, nos maisons peut-être sont détruites, nos églises sont détruites, mais l'église c'est quoi? Est-ce que c'est les pierres ou c'est nous? J'ai consacré ma vie pour l'Irak, pour ceux qui décident de rester, parce qu'il y a des chrétiens d'Irak, irakiens, qui décident de rester malgré tout. Oui. Donc s'il y a 10 Irakiens qui restent, 10 Irakiens, chrétiens qui restent, moi je reste. Ce n'est pas dangereux pour vous de donner des interviews? Oui, le danger, ça existe toujours. Chez nous, on dit, il y a un dicton, on dit que celui qui est mouillé n'a pas peur de la pluie. Et nous, on est tout mouillé, donc on n'a plus peur. Aujourd'hui, moi, je n'ai plus peur de dire quoi que ce soit. Je dis, moi, mon rôle, c'est de dire la vérité. Et si ma vie est un danger, ce sera comme les autres vies, les autres chrétiens, les autres irakiens. Donc, je ne suis pas mieux. Donc, je fais confiance au Seigneur et je mets ma vie entre les mains du Seigneur. Mais est-ce que c'est vraiment, vraiment si facile comme ça? Vous le dites comme, oh baby, peut-être je vais en vacances là, ou peut-être je vais mourir. C'est avec le même style que vous le dites?
Mais est-ce que c'est vrai, est-ce que vous ne craignez pas la mort? Je veux dire, la peur, c'est normal. Je crains, c'est normal. Mais le fait de vivre en permanence dans cette ambiance, on pense plus. En fait, aujourd'hui, on est depuis des années, on vit même dans le même danger. Donc, on pense plus. Aujourd'hui, je pense même plus. Je sors, je vis normalement, vraiment normalement, et je vis la peur. Il est, comment dire, j'ai apprivoisé ma peur. Donc ma peur, il est avec moi. Et je ne pense plus à lui. C'est comme on s'habitue, on est avec quelqu'un, on s'habitue, on ne fait plus attention à sa présence. C'est exactement la même chose. Et la vie après la mort? Après la mort, c'est entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas mon affaire. Et vous ne l'envisagez pas? Vous n'y pensez pas? Moi, je dis, je me mets ma vie entre les mains du Seigneur, c'est tout. J'ai confiance. C'est vraiment, j'ai toute confiance que Dieu m'a donné cette vie pour faire mon travail. Et ma vie après mort, c'est le travail du Seigneur. Lui fait ce qu'il veut. Vous n'avez jamais perdu la confiance? Il y a des moments, mais vraiment très ponctuels. Mais pour moi, je vous dis, c'est une question de vie ou de mort. C'est-à-dire, le jour où je perds la confiance ou l'espoir, je suis mort et je ne veux pas mourir. Moi, je veux vivre. Et je veux vivre dans l'espoir et non pas dans le désespoir. Demain, vous partirez pour Bagdad. Alors, qu'est-ce que je peux vous souhaiter ? De prier pour moi, pour que le Seigneur me donne la force pour être vraiment un témoin, d'être au service de l'homme et de témoigner que la vie est plus forte que la mort. Et malgré que la mort, malgré les difficultés, que nous avons confiance que le Seigneur, il est vainqueur de la mort. Il a vaincu la mort. Et aujourd'hui, il peut vaincre la mort en Irak. Merci. Merci. Frère Amir. Merci.